Bonjour Dino. Tu veux appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui? Voyons voir. Miam! Nous allons apprendre comment faire des donuts. Et pour apprendre à faire des donuts, nous avons besoin d'ingrédients. On dirait que nous allons le faire dehors. Allons au parc, Dino. Bonjour, Dino et Dina. J'espère que vous avez faim, les amis, parce qu'on va apprendre à faire des donuts. Voici des ingrédients. Voyons si nous pouvons faire de bons donuts. De quoi avons-nous besoin en premier, les amis? Bonne idée, Dino. Commençons par du lait chaud. Tu veux bien le verser dans le bol? Super! Maintenant, nous avons besoin de quelque chose pour rendre les donuts sucrés et délicieux. Une idée? Tu as raison, Dina. Du sucre. Versons-le également dans le bol. Je crois que c'est assez. Maintenant, nous avons besoin de quelque chose qui vient des poules. Je crois que vous savez ce que c'est. C'est exact! Des œufs. Prenons-en deux. Dino, tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, Dino. Il faut d'abord casser les œufs. Tapote-les délicatement sur le bord du bol, puis mets le contenu dans le bol. Veille à ce qu'il n'y ait pas de coquilles d'œufs dans le bol. Il nous faut deux œufs. Combien en faut-il de plus? Un de plus, c'est exact. Parce qu'un plus un égale deux. Enfin, il faut que la pâte soit plus compacte pour qu'on puisse la modeler en forme de donuts. Que nous faut-il? C'est exact. Ajoutons de la farine. Ne t'en fais pas, Dina. Ce genre de choses peut arriver quand tu cuisines. Parfait. Maintenant, nous devons mélanger tous les ingrédients, puis modeler les donuts et les frire dans l'huile chaude. Pour cela, nous avons besoin d'une plaque de cuisson. On se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat final, les amis. Miam! Ils ont l'air vraiment bons. Voyons voir combien vous en avez fait. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 jolis donuts, les amis. Et maintenant, le meilleur moment. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez raison. Il est temps de manger des donuts. C'est vraiment délicieux. Maintenant, vous savez comment faire des donuts, les amis. À la prochaine. Au revoir, les amis. Bonjour, Dino. Bonjour, Dina. Est-ce que vous passez un bon moment? Aimeriez-vous apprendre quelque chose avec la machine de Dino? Génial! Alors, qui va appuyer sur le bouton de Dino pour découvrir ce que nous allons apprendre? C'est le bouton des couleurs. Voyons où va s'arrêter le prochain rouleau. Nous allons jouer au tennis. Mais je me demande où ça? Sur un terrain de tennis, bien sûr! Avez-vous déjà joué au tennis, les dinosaures? Non? Ne vous inquiétez pas, vous allez bien vous amuser. Voyons voir quels équipements la machine de Dino va nous donner pour notre match de tennis. Waouh! Regardez les dinosaures! Nous avons des raquettes de tennis, des chaussures de tennis et même des bandeaux de tennis. Changeons-nous et allons au terrain de tennis. Qu'est-ce que vous en dites, les dinosaures?
Super. Allons-y. Waouh, Dino et Dina, n'est-il pas superbe ce terrain de tennis? Et regardez, voilà la machine qui lance les balles de tennis. Qui voudrait frapper en premier l'une des balles? D'accord, Dino. Alors, rappelle-toi, Dino, tu vas devoir crier la couleur de la balle avant de la frapper, d'accord? C'est vrai, Dino. C'est une balle de tennis bleue. Bravo, Dino. C'est super pour un premier essai. Dina, tu veux être la prochaine? Bravo, Dina. Tu as raison. C'est une balle verte. Dino, c'est ton tour. Oui, c'est une balle rouge, Dino. Waouh, les dinosaures, tous les deux, vous êtes déjà des experts au tennis. Dina, tu veux bien frapper la dernière balle colorée? C'est vrai, Dina, c'est une balle multicolore. Waouh, Dina. C'était une frappe puissante. Maintenant, les dinosaures, pouvez-vous me dire quelles sont les couleurs que nous avons apprises aujourd'hui? Oui, Dino. Il y avait une balle bleue et une balle verte. Puis une balle rouge et une balle multicolore. Quelle journée amusante! À la prochaine! Bonjour, Dino. Comment vas-tu? Ça te dirait de faire exploser des bulles avec un canon? Super. Allons-y. Appuie sur le bouton pour faire tomber une boule. Rouge. Éclate les bulles rouges avec la boule rouge. Bravo, Dino. Jaune. Éclate les bulles jaunes avec la boule jaune. Prêt? Feu! Bravo, Dino. Vert. Éclate les bulles vertes avec la boule verte. Non, désolé, Dino. Tu as touché les bulles bleues. Essaie encore. Vert. Prêt? Feu! Fantastique, Dino! Bleu! Éclate les bulles bleues avec la boule bleue. Joli tir, Dino! Orange. Éclate les bulles oranges avec la boule orange. Bravo, Dino! Nous nous sommes bien amusés et nous avons appris beaucoup de couleurs. Tu veux qu'on récapitule? Rouge. Jaune. Vert. Bleu. Orange. Wouhou.
À bientôt, mon ami. Bonjour, Dino. Bonjour, Dina. Ça fait plaisir de vous voir. Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau? Eh bien, faisons tourner le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Voyons où s'arrête le bouton de Dino. C'est le symbole des formes. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ce sont les jouets. Je me demande où. Le parc. Nous allons apprendre les formes avec des jouets dans le parc. Allons au parc et voyons quelles formes nous pouvons apprendre. Nous devons placer les formes en bois dans les bons trous. Trouvons d'abord le bloc carré. Tu peux trouver le bloc carré, Dino? Tu l'as trouvé, Dino. Tu peux placer le bloc carré dans le trou de forme carré? Bravo, Dino. À ton tour, Dina. Tu peux trouver le bloc en triangle? Tu l'as trouvé, Dina. Tu peux le mettre dans le trou en forme de triangle? Bravo! Maintenant, Dino, tu peux trouver l'étoile? Bien joué, Dino. Tu as trouvé le bloc en forme d'étoile. Tu peux le mettre dans le trou en forme d'étoile? Tu es sûr que c'est le trou en forme d'étoile, Dino? Ne t'inquiète pas, Dina peut t'aider. Bravo, Dina. Et si nous résumions les formes? Carré. Triangle. Cercle. Étoile. Vous avez fait du beau travail avec les formes. À la prochaine. Bonjour, Dino. Comment vas-tu? Est-ce que ça te dirait de jouer aux balles rebondissantes avec nous? Super. Alors, c'est parti. Rouge. Sais-tu lequel est le toboggan rouge? C'est exact, Dino. Tu peux pousser le saut rouge dans le toboggan rouge maintenant. Orange. Peux-tu nous montrer où est le toboggan orange? Oh oh! Attends, Dino. C'est un toboggan vert, ça. Essaye encore. Bravo, Dino. Tu peux pousser le saut orange dans le toboggan orange maintenant. Vert. Peux-tu nous montrer où est le toboggan vert? C'est exact, Dino. Bleu. Est-ce que tu sais lequel est le toboggan bleu? Génial! Tu peux pousser le saut bleu dans le toboggan bleu maintenant.
Bravo, Dino. Tu as terminé le jeu des balles rebondissantes et nous avons appris plein de couleurs. Et si on récapitulait tout ça? Rouge. Orange. Vert. Bleu. À bientôt, mes amis. Bonjour Dino. Bonjour Dina. Je suis content de vous voir. Ça vous dirait qu'on joue ensemble? Génial. Commençons alors. Vous devez rester concentré sur la balle, les amis. Ne la quittez pas des yeux. Super! Tu as gagné cette fois, Dino. Passons au jeu suivant. Ok, maintenant tu dois faire éclater les ballons. Oh, ne sois pas triste, Dino. C'était un très bon tir. Super! C'est Dina qui a gagné cette fois-ci. Voyons à quoi d'autre on pourrait jouer. C'est une course de haies. 3, 2, 1, partez! C'est bon, Dino. N'abandonne pas. Super, tu as gagné, Dina. Allez, Dino, tu y es presque. Formidable. C'était une course remarquable, les amis. Vous méritez tous les deux d'avoir une récompense. Bravo! Profitez bien de vos friandises. À bientôt, mes amis.